Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue dans mon monde. Vous savez que mon monde, c'est le monde des savants spirituels. Pour ceux qui me suivent depuis des années maintenant, mes savants sont faits à base des plantes, des feuilles, des arbres, des écorces. Vraiment, c'est très, très naturel. Optez aux choses naturelles qui ne peuvent pas vous nuire. Optez aux petites choses qui peuvent vous sauver la vie. Si vous les utilisez vraiment très, très bien dans le bon sens. N'optez pas aux choses, même aux petites choses, que ce soit des petites choses ou des grandes choses qui peuvent vous nuire la vie. Il faut savoir là où vous allez. Il faut connaître. On n'entre pas n'importe comment. N'ouvrez pas les portes qui sont fermées. C'est très important. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau. Et après, je vais vous mettre une petite vidéo que vous allez suivre. On explique l'eau de la pluie. C'est un bonbon qui explique l'eau de la pluie. On dit qu'on apprend tous les jours. Moi-même, l'autre là, vraiment, je ne le savais pas. Mais les deux eaux que vous voyez là, c'est bien différent. Ça, c'est l'eau du robinet. Ça, c'est l'eau de la pluie. Ça, c'est mon eau que j'ai recueillie. J'avais déposé le seau vraiment en plein route, disons comme ça là. L'eau tombait directement du ciel pour entrer là dans un seau. Après, là, dès que la pluie s'est arrêtée, j'ai me transversé ici là, dans ma bouteille que je garde jalousement. J'ai mis au frigo. Je garde ça vraiment jalousement là-bas, que quand j'aurai besoin, je vais boire juste un peu. L'eau, elle est très puissante. Je vais vous poser encore une autre vidéo demain, si je n'oublie pas, comment on explique les différents eaux, les lacs, les fleuves, la mer, etc., etc. Il y a un monsieur qui explique ça très, très bien. Mais ici, là, je vais vous parler de l'eau, la puissance de l'eau. J'ai déjà fait une vidéo là, je vous montre comment. Quand vous voyagez, qu'est-ce que vous devez faire avec l'eau? L'eau seulement, hein, pas autre chose. L'eau. Vous prenez une bouteille, un verre d'eau comme ça, là, vous déposez la nuit sous le lit. Vous faites, avant de déposer sous le lit, vous faites un vœu. Le matin en partant, vous versez devant votre porte et vous partez en faisant aussi les vœux. Parce que sans les vœux, l'eau là ne sert à rien. Ça, c'est l'eau de la pluie. L'eau de la pluie regorge aussi vraiment des choses. Ça a des astuces énormes, ça c'est clair, et elle est puissante. Mais il faut que l'eau là doit être l'eau qui vient directement du ciel. L'eau qui sort, qui atterrit d'abord au niveau des toits. On dit que cette eau-là n'est pas bonne. Moi aussi, là, je viens aussi d'apprendre ça. Mais heureusement que j'ai été intelligente. Je vais pas appeler ça comme ça. L'eau là, ça sort directement du ciel, quoi. Donc, l'eau qui tombe d'abord sur les toits, l'eau là, elle n'est plus bonne. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup des esprits négatifs traversent les toits pour venir vous attaquer. Il y a d'autres qui sont même coincés par les toits. Il y a d'autres même qui descendent par les canaux, disons comme ça, là, pour venir vous attaquer. C'est la raison pour laquelle cette eau là, elle n'est pas bonne pour personne. En tout cas, j'ai dit même pour personne, elle n'est pas bonne. Donc, optez quand vous voulez faire des purifications avec l'eau de la pluie. Posez le seau au milieu de votre cour, au milieu de la cour. Comme ça, l'eau là qui vient directement du ciel, c'est cette eau-là que vous pouvez utiliser. L'eau que vous mettez, les bassines, que ce soit les fûts, ça doit être l'eau pour l'utilité, utilitaire, disons comme ça, là. Pour votre jardin, pour voilà, ainsi de suite, quoi. Donc, voilà un peu, c'était très important que je vous le dise aujourd'hui, que l'eau qui vient des toits n'est pas une bonne eau, c'est une eau sale. Optez à l'eau qui vient directement du ciel. Et n'oubliez pas que pour ceux qui ne savent pas, nous entrons dans les vaisseaux à partir d'aujourd'hui. Allez faire votre propre recherche. À partir d'aujourd'hui, donc la pleine lune dure 3 jours. Faites une purification, quelle qu'en soit la purification que vous voulez. Faites ça, c'est très important. Et nous allons déjà à la fin de l'année. N'oubliez pas aussi, la fin de l'année a tellement de choses. Les mauvais esprits renouvellent leur force, ils viennent prendre chez vous, viennent prendre votre chance. Viens prendre votre énergie, votre sang et tout et tout. Donc faites attention, c'est vraiment le moment de faire très attention à soi. Et si je vends les savons de déblocage, c'est là, j'ai les savons de déblocage.
J'ai le savon pour les mains percées. Ça, c'est le savon de déblocage. J'ai le savon ici, là, pour l'amour ici. J'ai le savon pour le travail même. Donc, j'ai le savon. Je disais, j'ai le savon pour mercredi. Voici ça comme ça, là. Donc, j'ai plusieurs savons. Pour les mains percées, j'en ai ici. Pour les mains percées, j'en ai là. Donc, si vous voulez un savon, n'hésitez pas. Et vous savez très bien aussi que pour ceux qui me suivent, encore une fois, je suis membre de l'IEP Le Mal. Si vous avez des questions à poser avant de vous lancer, c'est une crypto-monnaie. Ça va faire 2 ans, là, le mois prochain, que ça existe. Une bonne crypto-monnaie résiste à toutes les tentatives de tout ce que vous connaissez là. C'est une très bonne crypto-monnaie qui résiste vraiment très très forte. Alors ça, c'est une crypto-monnaie que je vous conseille d'investir là-dessus parce que nous sommes en train d'aller dans le numérique. On ne va pas rentrer en arrière, non. C'est ça qui va dominer. Les gens qui résistent là aujourd'hui, là, ils seront les derniers, ça c'est clair. Donc chaque Africain doit avoir un compte de la crypto-monnaie, c'est très important. Ayez votre compte de la crypto-monnaie, n'importe quel, si vous voulez, parce que comme les Africains aiment, j'aime toujours dire que les Africains aiment seulement aller chez les autres. Si vous voulez aller chez les autres, allez. Au jour d'aujourd'hui, on n'a même plus 20 000 sortes de crypto. On a plus d'un million. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, on dirait qu'à chaque instant, il y a une crypto-monnaie qui est créée. Donc, faites aussi attention. Allez faire votre propre recherche avant de suivre pour tomber sur une bonne crypto-monnaie. Donc, optez, consommons africains, de toute façon, consommons africains, nous sommes les Africains, nous devons consommer les Africains. Ces Africains, c'est tout à fait normal, sauf vraiment, je ne sais pas, on est tellement conditionnés dans ce sens, qu'on nous a tellement conditionnés que c'est les choses des autres qui sont mieux que ce que nous on a. Et c'est triste. Donc, voilà les amis, la vidéo. Donc, un peu de récapitulatif de ce que je viens de dire. Donc, l'eau de la pluie, n'utilisez pas l'eau qui vient des toits. Utilisez l'eau qui vient directement du ciel. L'eau, là, vous pouvez faire la purification avec. Vous pouvez même faire un vœu avec cette eau-là. Vous faites un vœu, si vous voulez, quelqu'un vous aide avec quelque chose. Vous faites un vœu, vous buvez ça. Ça marche aussi. Mais vous devez être quelqu'un qui est propre. Parce que si vous n'êtes pas propre, comment ça va réussir? Ça ne peut pas réussir. Ça veut dire que vous cherchez une personne qui a l'habitude de se purifier de corps, qui se connaît. Une personne qui connaît qui elle est, quoi. Pour faire ce genre de ça, c'est, j'appelle ça les astuces naturelles. Ça ne veut pas dire que l'eau du robinet ne peut pas faire la purification avec. On peut bien faire la purification avec. Donc, c'est comme aussi l'eau de la mer, comme on fait une purification avec. Mais, suivant la vidéo que je vais vous montrer, je vais poster demain là, on explique vraiment très bien qu'on ne peut pas prendre l'eau de la que ça soit n'importe où, comment. Parce que ça regorge des esprits. Vous savez que dans chaque monde, là, je peux appeler ça comme ça, dans chaque monde, on retrouve les esprits positifs, on retrouve les esprits négatifs. Donc, c'était partout. Donc, n'oubliez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. C'est la vidéo qui va venir là. Donc, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas, les savons sont là. Les savons sont disponibles. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Et moi, je vous dis à tantôt. Bye bye. On ne peut pas boire l'eau de pluie qui tombe sur la toiture. Quelqu'un a posé cette question la fois dernière. Effectivement, cette eau est la conduite des mauvais esprits. Ah bon? Oui, si vous voulez boire l'eau de pluie, mettez le récipient en plein air. Que l'eau tombe directement. Dès que l'eau tombe sur la toiture, parce que quand les mauvais esprits arrivent chez vous, vous entendez sur la toiture, boum, ils tombent et ils descendent à travers. Et là où les gens courent. Donc c'est dangereux cette conduite d'eau. Ah oui, il ne faut pas boire. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas boire l'eau qu'on a recueillie à travers la toiture. Mais si vous voulez boire l'eau de pluie, mettez votre récipient en plein cours, que ça tombe directement, il n'y a pas de souci. Donc l'eau est dangereuse pour ceux qui ne la maîtrisent pas. Et comme nous sommes les gens de la...